L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répandent en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce mardi de la première semaine de Carême, lues par la sœur Amicitovi Sandra et le diacre Justin Dikounou, SMA, commenté par le père Victor Aziablé, Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 55, versets 10 à 11. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes les angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris.
Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Acclamation de l'Évangile. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans notre montée vers Pâques, l'Église nous propose ces 40 jours au cours desquels nous devons faire le jeûne, la prière et l'aumône. Aujourd'hui, l'Église nous fait méditer sur ce qu'est la prière. Comment prier? Quelle est la forme adéquate de prière? Qu'avons-nous besoin pour prier? Et pourquoi prier? Telles peuvent être des interrogations qui nous hantent à l'heure de prier. Et Jésus nous en livre quelques secrets. La prière n'est pas le lieu de beaucoup de paroles, car Dieu sait déjà ce qu'on a besoin. C'est ici que naît autre préoccupation. Si Dieu sait de quoi on a besoin, pourquoi il veut qu'on le lui demande? La prière n'est pas seulement dans le « donne-moi » comme Dieu serait une boîte à pharmacie. La prière est une relation de père-enfant et non un contrat de travail qui nous lie à Dieu. Ainsi, quand nous prions, sachons que Dieu est notre Père, mais un Père dans les cieux, et ne pas le comparer avec l'expérience personnelle de notre Père biologique. Cette relation filiale nous fait comprendre que notre demeure n'est pas sur la terre, sinon auprès de Dieu qui vit dans les cieux. Ce Père est fidèle, sa parole ne défaille jamais, comme la pluie et la neige ne descendent sans avoir donné du pain à celui qui doit manger, ainsi la parole de Dieu ne sort jamais sans avoir accompli, et surtout sans donner à manger à ses enfants. Isaïe, chapitre 55, versets 10 à 11. Fort de cette fidélité et de l'efficacité, mieux de l'efficience de la parole de Dieu, notre souhait sera que son règne vienne jusqu'à nous, un règne de gloire et de paix, un règne qui n'écrase pas la veuve et l'orphelin et le malheureux et le faible et tous ceux qui comptent sur sa miséricorde. Dieu régnera sur nous et en nous si nous faisons confiance à sa parole, si nous obéissons dans la foi à ce qu'il nous dit,
si nous laissons que Dieu dirige notre vie. Oui, sa volonté est que l'homme soit sauvé et connaisse la vérité. Ce plan d'amour dépend de notre ouverture à sa parole. Étant donné que sa volonté est de nous sauver, comment ne peut-il pas nous donner le pain de chaque jour? Sûrement qu'il ne laissera pas ses enfants affamés. Il pourvoira pour eux non seulement la nourriture pour le corps, mais surtout celle de l'âme. Nous sommes corps et esprit. Le don de sa grâce, c'est-à-dire la vie, sa propre vie. Au début, on ne demandait qu'avons-nous besoin pour prier. À cette question, Jésus nous enseigne qu'on ne peut pas communier et communiquer avec Dieu sans avoir démoli les murs de séparation entre nos frères les hommes. C'est dire, la bénédiction de Dieu ne peut nous parvenir si nous tenons en nos cœurs des rancunes, de la haine et de la vengeance envers nos frères. C'est pourquoi, avant même de prier, assurons-nous qu'il n'y a pas de barrière, de frontière entre nous et les autres. Dit autrement, nul ne peut prier Dieu sans une attente avec les autres. En d'autres termes, on ne peut pas aimer Dieu et détester ses frères. C'est une contradiction. C'est nous mentir et mentir aux autres. Ce n'est donc pas Dieu qui nous refuserait son pardon, sinon que nous-mêmes avons choisi de ne pas entrer dans le pardon de Dieu. Dieu nous accorde toujours son pardon. Nous sommes nos propres fossoyeurs quand nous refusons de remettre les dettes des autres. Ainsi Dieu devient incapable pour que son pardon nous arrive. Nous sommes donc la barrière pour que le pardon de Dieu ne nous parvienne point. Par conséquent, dans cette attitude de ne pas pardonner, nos prières restent là où on a prié. Il ne faudrait pas qu'à la fin de ces 40 jours, on garde encore nos frères et sœurs dans nos barrières, dans nos frontières, c'est-à-dire qu'on refuse de ne pas pardonner pour entrer dans le pardon de Dieu. Oui, nous devons pardonner pour que nos prières parviennent au Seigneur. Refuser de pardonner à son frère qui est image de Dieu, c'est refuser le pardon de Dieu. Or, nous avons besoin de ce pardon pour entrer en communion avec Dieu. Que ces 40 jours, dans la prière véritable qui consiste à faire sauter les murs de séparation entre nous et les autres, nous poussent à communiquer avec Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Désormais, sur vos smartphones et ordinateurs, toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est le coup de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24. En direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store.